En Haute-Normandie, on a le plaisir de constater que sur le mois de février, donc il y a eu une baisse de 0,4% de demandeurs d'emploi. Et c'est 3 mois consécutifs qu'on observe cette baisse qui est toute relative, mais qui est un signe d'encouragement, en tout cas pour l'emploi en Haute-Normandie. Donc on a une dizaine de filières qui sont assez dynamiques et qui sont structurées depuis plusieurs années, et qui permettent à l'ensemble des entreprises d'avoir une force de conviction en termes d'investissement pour aller chercher des marchés, mais également de traiter pour la Haute-Normandie un certain nombre de projets.